Les femmes noires ont toujours excellé dans les sports et l'athlétisme. Voici les 10 plus belles femmes noires, qui font des vagues en raison de leur performance impressionnante, leur persévérance, leur motivation et détermination dans les sports. Ces belles femmes noires sont devenues des modèles pour de nombreuses personnes dans le sport. Numéro 10, Faline Fonua-Moana. Elle est une joueuse de volleyball américaine née le 13 mars 1992 à Hermosa Beach en Californie. Elle mesure 1,93 m. Elle est une sacrée reine de beauté, connaissant le volleyball aquatique, elle est un bloqueur dominant, un attaquant explosif avec un corps à couper le souffle. C'est incroyable à quel point ses compétences de volleyball sont impressionnantes. Chaque fois qu'elle joue, on a du mal à fixer les yeux sur la balle, le regard se penche beaucoup sur son corps. Elle est une femme noire forte et résiliente qui ne recule jamais. Numéro 9, Fatima Diame. Fatima Diame est sans aucun doute l'une des plus belles femmes noires du monde de l'athlétisme. Aux Jeux Olympiques de 2021 en 2022, la reine du millénaire a remporté une médaille d'or aux Espagnols, ce qui en fait d'elle l'un des talents les plus talentueux du monde de l'athlétisme. C'est bien que les femmes excellent dans toutes les disciplines. Numéro 8, Simone Biles. Comme la plus grande de tous les temps. Simone Biles est en réalité un tout petit gabarit, elle mesure 1,42 m et était la plus petite athlète à prendre part aux Jeux de Rio, en 2016, un petit format qui lui vaut d'être surnommée la puce, mais ne l'empêche pas de s'envoler à près de 2 fois sa hauteur, lorsqu'elle réalise l'une de ses figures les plus célèbres, un double salto arrière, demi-vrille, réception à l'aveugle. Aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Biles est devenu le gymnaste américain le plus décoré de tous les temps. En 2018, elle est devenue la gymnaste la plus décorée de l'histoire des championnats du monde. Quoi d'autre? Biles a décroché le saut de Cheng, qui est considéré comme l'un des sauts les plus difficiles en gymnastique et qui n'est généralement pratiqué que par des hommes. Biles travaille très dur, s'entraînant généralement 5 à 6 heures par jour. Après avoir pris sa retraite de la gymnastique, Biles dit qu'elle aimerait être infirmière. Nous sommes sûrs qu'elle va exceller dans ce domaine aussi. Numéro 7, Kadi Sagna. Très sportive, participant au football, au basketball, au handball et même au taekwondo, Kadi Victoria Sagna est une athlète suédoise spécialisée dans le saut en longueur. En 2010, elle a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour. Elle a fait un triple saut qui est monté à 13,56 mètres. Kadi a représenté son pays dans divers événements internationaux. En 2018, elle s'est classée 7e au championnat d'Europe et 6e au championnat du monde en salle. Numéro 6, Cori Gauff. L'américaine Cori Gauff est une joueuse de tennis professionnelle qui s'est fait connaître avec une victoire sur Venus Williams à Wimbledon alors qu'elle n'avait que 15 ans. Lors de ses débuts à Wimbledon en 2019, le nom de Gauff a fait la une des journaux nationaux quand, à 15 ans, elle est devenue la plus jeune joueuse de tennis à participer au tournoi en 28 ans. Le phénomène a même conquis Venus Williams, qui avait remporté le tournoi 5 fois auparavant. En juin 2021 à Roland-Garros, elle devient la plus jeune athlète depuis Williams en 2017 à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Numéro 5, Gabby Douglas. En 2012, la gymnaste olympique Gabby Douglas est devenue la première afro-américaine de l'histoire à remporter le concours multiple individuel. Musique.
Elle a également remporté des médailles d'or pour les États-Unis dans les compétitions par équipe aux Jeux olympiques d'été de 2012 et 2016. Numéro 3, Nekan Ogumike. Depuis qu'il a rejoint les Las Sparks en tant que premier choix au repêchage en 2012, Ogumike est devenu l'un des joueurs les plus respectés de l'ABA. L'ancienne de Stanford est devenue à la fois MVP et championne de l'ABA au cours de sa saison 2016. Elle a également aidé l'équipe américaine à remporter l'Eurocoupe du monde FIBA 2014 et 2018. De plus, elle est présidente du syndicat de la Ligue, la Women's National Basketball Player Association, à une époque où l'ABA est de plus en plus visible dans les médias, grâce à son activisme et à sa demande d'équité salariale. Numéro 4, Zynga Prescott. Double olympienne et originaire de Brooklyn, Prescott est devenue la première femme afro-américaine à remporter une médaille individuelle au championnat du monde senior, lorsqu'elle a décroché le bronze en 2015. Elle porte le nom d'une reine guerrière d'Angola, Nzinga Mbandi. Numéro 2, Kamike Bingham. Elle a commencé la course à pied à l'âge de 15 ans. Elle avait été une gymnaste de haut niveau national, mais lorsque ses parents ne pouvaient pas la maintenir financièrement dans ce sport, elle a rejoint un ancien coéquipier qui s'était également tourné vers la piste. Le rêve olympique a commencé après avoir remporté l'OFSA, école secondaire de l'Ontario, médaille d'or aux 100 mètres et aux 200 mètres lors de sa première année sur piste de course en 2010. Elle aime prendre des photos, parler de motivation, entraîner, être à l'extérieur. Numéro 1, Shelia Ennen-Fraser-Pryce. Shelia Ennen-Fraser-Pryce est une sprinteuse jamaïcaine qui a remporté des médailles d'or aux 100 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Jeux de Londres 2012. Elle a également remporté une médaille d'argent dans cette épreuve aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle est une inspiration très visible pour la prochaine génération en raison de ses performances sportives, notamment en devenant récemment la deuxième femme la plus rapide de tous les temps avec un temps de 10,63 secondes. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner.